vous parler aujourd'hui, chers téléspectateurs, d'un personnage un peu oublié des jeunes générations, mais qui eut cependant son heure de gloire, puisqu'il s'agit du maréchal Bugeaud. Des générations de petits Français ont fredonné, as-tu vu la casquette du père Bugeaud, à l'époque de la Troisième République, quand on exaltait l'aventure coloniale de la France. Les choses ont évidemment beaucoup changé depuis. Mais nous allons nous pencher sur cette figure qui fut familière et populaire du père Bugeaud, qui constituait un petit peu une image fondatrice de ce que fut notre aventure coloniale. Alors Bugeaud est né en 1784 à Limoges. Il s'appelle Thomas Robert Bugeaud de la Piconnerie, car il appartient à la petite noblesse locale. C'est un enfant qui va être installé à la campagne pendant ses premières années. Ses toutes jeunes années se passent dans le domaine de la Durantie, entre Limousin et Périgord. Et c'est seulement à l'âge de 6 ans qu'il revient à Limoges en 1790, dans des conditions un petit peu difficiles, avec un père assez sévère, une mère assez effacée. Il vit au milieu de ses sœurs, ses frères ne sont plus déjà sur place. Et puis nous sommes surtout dans le contexte de la Révolution. Son père est mis en prison à l'automne 93, c'est la loi des suspects. Sa mère le rejoint en prison au printemps 94, ce sont les lois de Prairial. Et ils ne seront libérés qu'après Thermidor, en novembre 1794. Bon, voilà pour le cadre événementiel de l'époque. Un petit peu laissé à lui-même, le jeune garçon rejoint le domaine de la Durantie, où il se trouve très bien d'ailleurs en compagnie des petits paysans qui sont ses compagnons. Il est remarqué par un maître de forge local, festugiaire, qui va l'inciter à se tourner au fil des ans vers la carrière des armes. Et en effet, en 1804, Bugeaud est un jeune homme particulièrement costaud, qui s'est endurci aux travaux des champs. C'est un garçon qui a du caractère. C'est un garçon aussi qui n'apprécie pas du tout la Révolution, qui a quelque peu malmené sa famille. Sa mère est morte en 1798, sa sœur est née également. Il a perdu un frère officier de marine disparu en mer. Son père est mort en 1803. Son frère aîné est rentré d'émigration, mais c'est lui qui a récupéré le peu qui restait du patrimoine familial. Donc il va se tourner vers l'armée, et en mai 1804, on le retrouve vélite à pied de la garde consulaire, appelé à devenir la garde impériale. Une excellente école pour former des soldats particulièrement solides. Il participe à la campagne de 1805, il est à Austerlitz en décembre 1805, il y gagne le grade de caporal, ce qui chez les vélites de la garde constituait une distinction enviée. Puis en avril 1806, il devient sous-lieutenant au 64e régiment d'infanterie, il participe à la campagne d'Allemagne qui voit les victoires d'Iéna et d'Auerstedt, et à la fin de 1806, contre les Russes, il participe au combat de Putulsk, où il est blessé. Alors il revient vers la Dordogne, il revient vers le Périgord, où il va passer environ 18 mois après cette blessure. Puis en 1808, il reprend du service pour être engagé dans la campagne d'Espagne. Il rejoint le 116e régiment de ligne. On sait ce que fut cette campagne d'Espagne, particulièrement difficile. On y a livré peu de grandes batailles classiques contre les Espagnols ou contre les Anglais qui étaient dans la péninsule. On a surtout dû affronter une guérilla, une petite guerre particulièrement usante pour les forces françaises, avec des maquisards profitant d'un terrain favorable, d'un terrain montagneux, susceptible de fournir de nombreuses cachettes, des maquisards des guerriers qui étaient dans la population rurale comme un poisson dans l'eau, qui étaient encouragés par leurs prêtres, etc. Eh bien, cette guerre particulièrement difficile va être une rude école pour le jeune Bugeaud, mais il va y expérimenter cette guerre de guérilla qu'il va retrouver ultérieurement en Algérie.
et en particulier dans l'est de l'Espagne, sous les ordres du maréchal Suchet, qui va obtenir d'ailleurs, en termes de contre-guérilla, des résultats tout à fait spectaculaires, notamment dans les régions de Valence et en Aragon. En 1814, il est colonel au 14e régiment de ligne et en 10 ans, eh bien, il a acquis une expérience solide en matière militaire, à la fois donc la grande guerre, celle des batailles classiques, hein, mais surtout cette expérience de la guérilla qui lui sera utile par la suite. La première restauration intervient en 1814 et il s'y rallie, mais quand Napoléon revient de l'île d'Elbe, eh bien, il rejoint le camp de l'empereur au moment des 100 jours. Pour la petite histoire, le 28 juin 1815, une dizaine de jours, donc 10 jours après Waterloo, avec son 14e de ligne, eh bien, il va livrer l'un des tout derniers combats autour de Conflans-Sainte-Honorine face à une division autrichienne. Alors, le voilà maintenant, en tout cas, écarté de l'armée, évidemment, par la deuxième restauration, du fait de son attitude pendant les 100 jours. Il est réduit au statut de demi-solde que connaissent alors de très nombreux officiers de l'époque. Il va revenir vers la Dordogne. Il ne se désintéresse pas de la chose publique et va même rejoindre l'opposition libérale à partir de 1828. Mais dans un premier temps, ce sont avant tout ses activités de gentleman farmer, si l'on peut dire, qui vont le retenir. Il revient vers ce domaine de la Durantie qu'il a connu enfant. Il épouse Elisabeth Jouffre de La Faye, qui est la belle-sœur de ce festugiaire qui l'a encouragé à embrasser la carrière militaire. Et ce sera un mariage heureux, même s'il est un petit peu marqué aussi par la mort de plusieurs enfants. En tout cas, il épouse Elisabeth, qui lui apporte une fortune non négligeable, ce qui va faciliter les choses pour se reconvertir justement en gentleman farmer. Hein. Il reconstitue en 1819 l'ancien domaine de la Durantie qu'il a connu dans son enfance, et il va se faire une spécialité de la révolution agricole qui est alors en cours dans les campagnes françaises. Il substitue l'assolement triennal au biennal, fait disparaître la jachère, constitue la société d'agriculture de Lannoye dans cette région donc du Périgord. Il organise le premier comice agricole qui a été organisé en France en 1824. Il récidive à Excideuil en Dordogne en 1832. Et là, il s'intéresse au progrès de l'élevage, à l'apiculture, à l'arboriculture. Il s'inscrit tout à fait dans tout ce courant de transformation profonde des campagnes françaises qui va contribuer à la prospérité rurale du long 19e siècle. C'est une personnalité départementale, hein, du fait de l'importance de son activité en termes économiques. En 1831, il est élu conseiller général du canton d'Excideuil, puis il est élu député de la Dordogne, dans le contexte du suffrage censitaire, évidemment, je le rappelle. Hein. Donc il engage, même de loin, une carrière politique. Mais en parallèle, dès juillet 1830, il a réintégré l'armée, hein, après la révolution qui a porté Louis-Philippe au pouvoir. On le retrouve colonel commandant le 56e régiment d'infanterie à Grenoble. Il est promu au grade de général en 1831, sans pour le moment se voir confier un grand commandement. Et même, comme on le sait fidèle au gouvernement, comme on le sait fidèle au nouveau régime de la monarchie de Juillet, eh bien en 1832, on va lui confier la surveillance de la duchesse de Berry, qui est incarcérée, comme on le sait, à la citadelle de Blaye, après l'échec de son aventure en Vendée, la duchesse de Berry, qui, au nom de son fils
le comte de Chambord, candidat légitime au trône après la révolution de 1830, hein, Charles X est parti en exil, eh bien la duchesse de Berry va être incarcérée, on le sait, à Blaye. Ce qui va valoir à Bugeaud l'hostilité des légitimistes qui le considèrent comme le geôlier donc, de la duchesse. Ça va même aller assez loin puisque Bugeaud va tuer en duel un républicain qui avait ironisé sur ses fonctions qu'il jugeait peu digne donc d'un général. Et puis Bugeaud d'une certaine manière va ensuite entrer dans l'histoire d'une manière un petit peu brutale puisqu'en 1834 c'est lui qui se charge d'écraser l'émeute parisienne avec à cette occasion le fameux massacre de la rue Trans-Nonain qui a été immortalisé par Daumier, ce qui lui vaudra toujours la haine de la gauche républicaine, hein. Bugeaud sera toujours considéré comme le massacreur de la rue Trans-Nonain à l'époque. Deux ans plus tard, en 1836, on lui confie un commandement en Algérie. Il s'agit d'aller délivrer un corps qui se trouve encerclé à l'ouest d'Oran par les guerriers d'Abdelkader. Il va se tirer très bien de cette mission, il va repousser Abdelkader et ses troupes, il va même conclure avec lui en mai 1837 le fameux traité de la Tafna qui établit une sorte d'équilibre. Les Français continuent à contrôler en fait le littoral dans le cadre d'une occupation restreinte et on laisse à l'émir Abdelkader le contrôle de l'arrière-pays. L'Assemblée à Paris est hostile à ce compromis, mais Bugeaud pose clairement le problème, hein. Ou bien on reste dans le scénario de l'occupation limitée, ou alors il faut mettre les moyens pour une conquête d'ensemble. Après l'échec du général Vallée, qui avait été le vainqueur de Constantine en 1837, lors de la prise de Constantine, mais qui, avec l'expédition des Portes de Fer, a entraîné la reprise de la lutte contre Abdelkader et a subi un certain nombre d'échecs, eh bien, c'est à Bugeaud que l'on va faire appel en 1840 pour prendre le commandement de l'armée d'Algérie et pour engager la lutte, donc, avec Abdelkader. Abdelkader, qui, c'est intéressant de le rappeler à l'époque, tient un certain nombre de propos qui sont dénués de toute ambiguïté. Je le cite. « Nous rendrons la Mitidja déserte et bloquerons l'infidèle dans Alger. Bientôt, nous en chasserons les Français. Nous passerons la mer avec des bateaux. Nous envahirons le pays de l'impie et nous le couvrirons de mosquées. Nous chanterons les rêves brisés d'Al-Andalus, prendrons Paris et conquérons les autres nations pour leur apprendre la vérité du vrai Dieu. » Donc, on a affaire, là, on le voit, à des adversaires extrêmement mobilisés, extrêmement motivés, et notamment par la foi musulmane. Alors, Bugeaud est nommé gouverneur général de l'Algérie donc en décembre 1840, il arrive à Alger en février 1841 et là, eh bien, il va engager une politique à la fois de conquête et en même temps, c'est son souhait, une politique de colonisation. Hein. NC et Taratro, par l'épée et la charrue, c'est cela sa formule. Hein. Alors d'abord sur le plan militaire, l'expérience qu'il a acquise en Espagne va se révéler tout à fait intéressante. Hein. Il va créer des colonnes mobiles d'infanterie légère qui sont appuyées par une cavalerie légère qui se charge de la reconnaissance, qui se charge de flanquer les colonnes pour éviter toute surprise, et des colonnes qui emmènent le minimum d'artillerie hein, pour être suffisamment mobiles, qui disposent d'une logistique reposant avant tout sur des mulets, justement, pour être mobiles, pouvoir se déplacer partout et facilement, assurer des mouvements rapides qui se seront la condition de l'effet de surprise. Alors avec cet instrument, eh bien, on va organiser des déplacements permanents, on va organiser des razzias systématiques des troupeaux de l'adversaire, des razzias sur ses récoltes, on va prendre des otages également chez l'adversaire. En face, en effet, il y a Abdelkader dispose d'une sorte d'armée itinérante. Hein. Eh bien, le but de Bugeaud, c'est à travers un ratissage
usage régulier du terrain, c'est de le priver de ressources, de le priver de points d'appui solides, de le priver de zones où l'ennemi justement pourrait prendre un minimum de repos. Ça c'est l'aspect militaire des choses, avec des succès incontestables. Le plus spectaculaire bien sûr c'est la prise de la Smala d'Abdelkader en 1843 par le duc d'Aumale, mais en même temps Bugeaud songe aussi à l'aspect colonisation. Il va mettre en valeur la Métidja, créer des routes, établir des ponts, mettre en culture des zones jusque-là hostiles, voire marécageuses. On va bonifier certaines terres pour pouvoir les mettre en culture. On va organiser des villages prévus pour la défensive face à une population locale hostile. Mais le problème, c'est que cette colonisation va surtout être au départ une colonisation militaire, car les civils ne se pressent pas beaucoup pour aller coloniser l'Algérie dans la France des années 1840. On sait, ce sont souvent les indésirables en métropole qui vont se retrouver en Algérie, les vaincus des émeutes de juin 48, les vaincus du décembre 51, du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, plus tard des communards, des Alsaciens lorrains qui ont choisi la France et dont on ne sait que faire, et puis aussi d'autres populations européennes, d'Espagne, de Malte, d'Italie, qui, poussées par la pauvreté, vont aller tenter leur chance en Algérie. Mais en tout cas, les civils, au départ, ne sont guère nombreux. Donc ce sont des colonies militaires que l'on met en place dès 1842, mais tout cela a un coût, et l'Assemblée n'est pas très convaincue de l'intérêt de ces dépenses. Bugeaud a obtenu ce qu'il fallait en termes de moyens pour la conquête militaire, et celle-ci sera effective, mais il n'a pas obtenu ce qu'il espérait en matière de colonisation. Finalement, en juin 47, il va quitter l'Algérie avec un bilan incontestable. La Smala d'Abdelkader a été prise, on l'a dit, en 1843. Lors de la bataille de l'Isli en 1844, le sultan du Maroc qui s'était joint à Abdelkader a été complètement vaincu. Et finalement, l'émir lui-même a fini par se rendre au général Lamoricière en septembre 1847. Bugeaud est récompensé pour ses succès. Il est fait maréchal en 1843. Duc d'Isli en 1844 après la victoire contre les Marocains. Alors, le voilà revenu en métropole au moment où celle-ci va connaître la révolution de 1848. Lors des journées de février, comme Thiers, il pense que le régime doit réagir, doit se défendre contre l'émeute parisienne, mais on le sait, Louis-Philippe va refuser d'affronter la révolution, il va abdiquer et puis fuir rapidement en Angleterre, et la révolution de février triomphe. Bugeaud ne se présente pas aux élections à la constituante du mois d'avril, la fin avril, mais comme les candidats peuvent se présenter dans plusieurs départements à la fois, il y a toute une cascade d'élections partielles qui vont suivre, et en juin, Bugeaud est élu député lors des partielles de juin. Il devient tout naturellement l'un des leaders du Parti de l'Ordre, du comité de la rue de Poitiers qu'a organisé Thiers, et qui va préparer quelques mois plus tard l'accès à la présidence, l'élection à la présidence de Louis-Napoléon Bonaparte. Mais comme il n'a jamais été ministre de Louis-Philippe, comme il n'est pour rien dans la répression de l'insurrection ouvrière de juin 48, eh bien Bugeaud se sent un petit peu des ailes et songe même un temps à se présenter aux élections présidentielles. Mais Cavaignac, le vainqueur de juin 48, président de la commission exécutive, donc, est candidat, c'est le fils d'un conventionnel, Cavaignac. Bugeaud aurait pu se dresser éventuellement contre lui, mais il y a un autre candidat, on le sait, inattendu, qui va apparaître dans cette compétition, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, qui s'est fait élire lui aussi lors d'élections partielles, au printemps et à l'automne 48, et on sait comment le Parti de l'Ordre va
soutenir ce candidat inattendu. Hein. On connaît la formule de Thiers, hein, c'est un crétin qu'on mènera. Mais le pauvre Thiers ensuite a été évidemment déçu. En tout cas, Bugeaud va se rallier à la candidature de Louis-Napoléon, qui sera élu donc en décembre 48. Hein. Le parti de l'Orgue porte largement aux élections de mai 49, mais Bugeaud va mourir le 10 juin 1849, le même jour que Madame Récamier d'ailleurs, et il meurt parce qu'il est victime d'une épidémie de choléra qui a frappé Paris à ce moment-là. Il a alors 65 ans. C'est une figure qui va être ensuite récupérée par la Troisième République à l'époque où la France se lance dans une aventure coloniale perçue de manière tout à fait positive et largement valorisée à l'époque. Inutile de dire que depuis un demi-siècle environ, évidemment, la figure de Bugeaud est évidemment entrée dans les périodes les plus sombres de notre histoire, pour reprendre un certain vocabulaire. En 1891, mourait à Paris un peintre qui est un peu oublié aujourd'hui, Jean-Louis Ernest Meissonnier. Mais ce peintre a été, en son temps, le plus célèbre, le plus puissant et le plus cher de tous les artistes français et, disons-le, du monde. C'est très curieux que ce peintre, connu pour sa peinture de genre et ses tableaux napoléoniens, ait connu à l'époque un tel succès. Quand, quelques années après sa mort, le mécène Alfred Chauchard, qui était le fondateur des grands magasins du Louvre et richissime, va acheter une cinquantaine de Meissonniers pour les donner au Louvre, c'est un investissement absolument colossal. Alors, ce peintre, il a connu une descente aux enfers, il a été complètement oublié, et en 1913, par exemple, Elie Faure ne le cite même pas dans son histoire de l'art. Il va connaître donc un oubli total, il va être considéré comme un peintre pompier, ce qu'il n'est pas, il va être considéré comme totalement ringard, sans intérêt, une espèce de bonapartisme enfantin, comme écriront certains critiques, et il faudra attendre Salvador Dali et les années 60-70 pour que le nom de Meissonnier refasse surface et qu'on s'y intéresse, et Salvador Dali va considérer que c'est quasiment le meilleur peintre de tous les temps. Mais il faisait beaucoup dans la provocation. Alors qui est-il, ce Jean-Louis Ernest Meissonnier ? Il est né à Lyon en 1811. Son père est marchand de teinture et de couleurs. C'est une bonne bourgeoisie. Sa maman est peintre sur porcelaine. Et tout de suite, le petit Ernest va s'intéresser à cet art délicat avec des tout petits pinceaux. Il va commencer à dessiner. Sa maman sera très fière de lui. La maman meurt quand il a 10 ans. Et à ce moment-là, le père, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il y a 4 enfants, pourquoi il choisit celui-là, il l'envoie à Grenoble finir son enfance. Donc de 10 ans à 20 ans, il sera à Grenoble, dans une famille dont il dira plus tard, c'était sûrement des gens très bien, mais ils n'étaient pas tendres. Donc c'est un petit peu tristouné, son enfance. Et il continue à dessiner, alors que son père voudrait qu'il soit commerçant comme lui-même et comme son frère Gabriel, qui va faire une très très belle carrière de marchand de couleurs venant des colonies et qui va s'installer à Saint-Pétersbourg et va faire fortune. Mais non, lui, il veut être peintre. Alors on le met dans l'atelier de Léon Cogné et là il va découvrir la grande peinture d'histoire avec en particulier un plafond au Louvre. Mais c'est pas ça qui l'intéresse. Lui, il va commencer à peindre en tout petit format sur des planches de bois, hein, il ne travaille pas sur toile, et on pourra dire de lui, dès ses premiers tableaux, comme un critique, il peint des œufs de mouche qui sont pesés sur des balances en toile d'araignée. Donc il a des pinceaux qui n'ont que quelques poils, et c'est un travail avec une loupe. Donc vous pouvez, quand vous regardez un petit format de Meissonnier, c'est vertigineux, vous pouvez agrandir autant que vous voulez,
vous trouverez toujours des détails à regarder. C'est un concept. Alors, il va commencer donc par ses peintures de genre. Et d'emblée, il aime l'histoire. Il dira à plusieurs reprises, j'aurais aimé être historien. Et donc, pour lui, l'histoire, c'est sa vie. Donc, il commence à exposer son premier tableau en 1834, il a 23 ans, et ça a beaucoup de succès. C'est une petite scène intime, les bourgeois flamands, il a trouvé sa voie, il va faire des copies, enfin des pastiches de la peinture flamande du XVIIe siècle, et puis il va faire aussi beaucoup de sujets XVIIIe siècle, alors des scènes de la vie de tous les jours, les joueurs d'échecs, la à l'auberge, les buveurs, les musiciens, toujours en tout petit format. Et puis, il a une autre passion à part l'histoire, eh bien, c'est l'armée. Il est militariste. Pourtant, il est tout petit, c'est pas un athlète, il va avoir très vite une grande barbe en deux pointes, vous savez, comme Moïse un peu, et puis une chevelure longue. Bon, il a un physique un peu improbable, mais voilà, il monte à cheval quand même, il adore l'armée. Donc, en 1848, il est capitaine d'artillerie dans la garde nationale, il prend son rôle très au sérieux. Et là, à la suite de 1848, eh bien, c'est le seul moment où il va se laisser envahir par l'émotion, parce que sa peinture est tout sauf spontanée, émotive, passionnée. Et là, il va voir une scène de cadavres, de manifestants sur une barricade, et dans la foulée, il va peindre ce très beau tableau qui s'appelle La Barricade. Très beau tableau parce que Delacroix, qui passe par son atelier, lui dit « mais c'est superbe », et Meissonnier lui dit si vous voulez cette toile, je vous la donne. Je crois qu'il ne l'a pas prise. Mais enfin, c'est probablement son tableau le plus fort. Quand en 1870, ça sera la guerre, là, il sera lieutenant-colonel, il sera à l'état-major, et ça nous vaudra, alors là, quelques années plus tard, un tableau un petit peu... Allez, comment je vais dire pour pas être trop méchante, disons très 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 posée, c'est la défense de Paris. Alors certains morceaux de ce tableau sont bien, les morts, les blessés, les femmes désespérées, c'est pas trop mal, l'ensemble est un petit peu indigeste et surtout quelques années après, il a mis sa seconde femme, Elisabeth, qui du coup est peinte comme une redoutable matrone avec une peau de lion sur la tête, mais enfin bon. Sinon, il va être le grand peintre de Napoléon III. Et comme il aime l'armée, eh bien, il va suivre l'armée en Italie. Alors là, il s'est fait tout seul, une sorte d'uniforme un petit peu bizarre, mais enfin, il suit l'armée en Italie et ça va nous valoir son premier grand format. Jusque-là, c'est que des petits formats, Solferino. Alors Solferino, Degas qui ne l'aimait pas va dire tout est en fer sauf les cuirasses. C'est très 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 posé, mais il y a des portraits des généraux autour de Napoléon III. Tout cela est extrêmement pourléché et ça va déchaîner l'admiration par exemple de Théophile Gautier, qui dira « on peut voir sur la tranche une croix d'honneur sur la poitrine d'un sujet au troisième niveau de la peinture, c'est extraordinaire ». Bref, il a trouvé sa voie, il sera le peintre extrêmement rigoureux des uniformes et il devient une référence, même aujourd'hui, pour tout ce qui est uniformologie. Alors il va essayer d'acheter par exemple la redingote de l'empereur, il ne va pas réussir, mais il va en faire une à ses mesures exactement pareille. Et chaque détail de sa peinture est réel. Il accumule une collection sur Napoléon en particulier, avec des caissons d'artillerie, avec toutes sortes de décorations, des bottes, des morceaux d'uniforme. Sa maison de Poissy devient une immense brocante napoléonienne et on dit que quand, par exemple, pour le 1814, qui est son tableau le plus célèbre et qui sera le plus cher au monde, hein, acheté par Chaussard, 850 000 francs or, c'est extraordinaire, ce tableau le plus cher au monde, il a carrément acheté un champ, il a attendu qu'il neige, après ça, il a engagé des voisins de Poissy pour piétiner la neige, il a fait revoir un petit peu le terrain parce qu'il voulait que Napoléon arrive
savait exactement où il voulait sur une toute petite éminence. Trois semaines de préparation, rien que du terrain. Et c'est le tableau que tout le monde connaît, qui a été sur toutes les boîtes de chocolat, sur tous les calendriers des postes, le 1814. Il va connaître à la fin de sa vie une apothéose, c'est l'exposition de ses 100 chefs-d'œuvre. Ça sera quand même 100 francs l'entrée, et ça sera plein. Et Van Gogh dira, je ne me remettrai jamais d'avoir raté cette exposition. Pourtant, ce n'était pas le même genre de peinture, hein, Van Gogh, pas du tout. Alors sinon, humainement, eh bien, il a tout gagné, hein, grand croix de la Légion d'honneur. Il a refusé la croix du mérite russe parce qu'il est extrêmement patriote, mais lors de sa mort, Guillaume II va envoyer une lettre ou un télégramme peut-être au président de la République en disant « c'est la plus grande gloire que perd la France, mais elle appartient au monde entier ». Rien que ça. Et il termine sa vie couvert d'honneur. Alors il a été marié assez vite à une Emma Steinael, qui était une protestante, comment dire, psychorigide, un peu d'un érotisme très discret, hein, Madame Meissonnier. Elle va mourir en 1888 et dans les 6 mois qui viennent, il va se remarier avec Elisabeth Besançon, que vous pouvez voir sur le siège La Défense de Paris. Bon, ses enfants, Charles et Thérèse, ne vont pas pouvoir maintenir sa fortune, qui était réelle. Ils seront obligés, pour désintéresser la seconde femme, de vendre son très très bel immeuble du 131 boulevard Malesherbes, qui va être détruit. Il n'aura duré que 20 ans, ce qui est complètement ridicule, mais c'est comme ça. Il reste sa maison de Poissy, qui est toujours habitée par ses descendants. Et puis Meissonnier, il nous a quand même donné des descendants spirituels et artistiques, de taille, qui a été son élève. Et puis, plus récemment, Benigni, le peintre de la Légion étrangère. Et il reste un très bon peintre, si on oublie ses défauts, oui, et qu'on ne garde que le meilleur. Alors moi, je dis bravo, Ernest Meissonnier. Nous avons donc le plaisir, chers auditeurs, de recevoir aujourd'hui Georges Clément, qui a déjà été invité à notre émission pour un article consacré à l'histoire de Laurent Espagnol qu'il avait donné à la Nouvelle Revue d'Histoire, qui a publié un roman historique qui s'inscrit dans un cycle romanesque intitulé « Les Indésirables » et le volume en question s'intitule, lui, « Sous les cendres du paradis ». C'est un ouvrage qui est publié aux éditions Académie Éditions et c'est un ouvrage tout à fait intéressant, original, par la trame, par l'intrigue qu'il nous propose, puisque l'auteur nous emmène depuis la fin de l'Algérie française au début des années 1960, et bien il nous entraîne jusqu'en 2001, jusqu'au 11 septembre 2001, avec l'attentat bien connu qui frappe le World Trade Center de New York. Il montre toute la continuité événementielle qui s'inscrit entre ces deux séquences, entre ces deux moments de notre histoire, et à travers la médiation du roman, il nous révèle des tas de choses intéressantes dont nous allons parler avec lui. Alors, Georges Clément, vous êtes vous êtes un spécialiste de l'histoire de l'Algérie française, vous êtes une personnalité éminente du monde algérianiste. Je vous connais pour ma part avant tout comme historien. Pourquoi recourir au roman historique pour dire votre vérité sur toute cette période ? Bon, d'abord parce que je rappelle que j'ai commencé à écrire par la poésie. J'ai publié 6 recueils de poésie avant d'attaquer la prose, si j'ose dire. Ce qui veut dire que la partie formelle de l'écriture m'importe. Bien. Donc, le roman a ce site particulier, c'est qu'il permet d'écrire, de susciter, de pénétrer les âmes, les corps et les cœurs des personnages, et de traiter d'autres sujets que ceux
de l'histoire qu'ils vivent. Bien. Je répondrai comme René Girard, qui a une vérité romanesque qui est plus forte que la vérité historique. Et je citerai aussi une réflexion de André Vivien, qui est maintenant disparu depuis longtemps, qui fut un homme politique gaulliste, et qui avait été interrogé au moment du, je crois que c'était le 40e anniversaire du débarquement, ou le 50e, enfin je ne me rappelle plus de la date, enfin de l'anniversaire en question précisément, mais je me rappelle bien de ce qu'il disait, en disant, écoutez, toutes ces commémorations, tout ce qui est dit, tout ce qui est raconté, et même ce qui est montré, puisque pour la Seconde Guerre mondiale, il y a des films, ne correspondent absolument pas à ce que j'ai vécu. Et ça, pour ceux qui ont vécu des événements importants, il est évident que le travail de l'historien, qui est de rassembler toutes les sources, de les mettre en perspective, comme il dit, de les rendre crédibles par le fait qu'on ne parle que des choses que l'on a pu recouper, enfin bref, le travail de l'historien, si vous connaissez, tout ça désincarne souvent l'histoire, qui est, au moment où elle se produit, beaucoup plus émotionnelle que rationnelle. Et donc voilà, alors, à partir de là, le roman est l'outil particulièrement intéressant pour montrer. Alors pourquoi je m'y suis attaché pour l'Algérie? Alors d'abord, j'ai publié deux autres romans historiques avant. J'en ai publié un qui s'appelait Le Zouave Place Pigalle, dont l'action se passait à Paris pendant la Commune en grande partie, mais qui mettait en jeu au moins un acteur venant d'Algérie, le fameux Zouave. Bien, et à cette occasion, ça m'a permis de raconter la vie d'Oran au XIXe siècle, au moment du Second Empire, puisque c'est à ce moment-là que ça se passait. Et le deuxième que j'ai publié, historique aussi, ce sont les Griffes du Lion, qui, elles, mettaient en scène l'Algérie des mêmes années, d'ailleurs 1868, au travers d'une chasse au lion, qui ensuite permettait de parler de ce qui se passait ensuite entre le 19e et la fin de l'Algérie française. Bien. Il y a une chasse au lion, il y a un personnage mythique là, qui était le chasseur de lion. Gérard. Voilà, c'est ça. Oui, absolument. Ça. Oui. Qui d'ailleurs était passionnant à lire, à la fois pour l'aspect cinégétique, si j'ose dire, mais aussi pour l'éclairage qu'il donne sur la vie des officiers en Algérie au 19e, qui utilisaient, pas tous, hein, parce qu'il fallait être très courageux compte tenu des armes dont ils disposaient et de la manière dont ils chassaient lions en Algérie, qui n'est pas du tout la même chose qu'en Afrique noire, puisque les lions d'Algérie ne vivaient pas de la même manière que ceux d'Afrique noire, c'est des animaux solitaires. Mais il le faisait pour montrer aux tribus que le chien de chrétien, ce sont ses termes à lui, pouvait les débarrasser d'un animal qui leur coûtait à peu près un an d'impôt. Donc c'était un aspect politique aussi dans leur engagement dans cette chasse. Bon, voilà, fermons la parenthèse. Ouais. Donc si vous voulez, le roman m'a permis de mettre l'Algérie du 19e siècle en scène. Et je me rends compte, et alors maintenant avec Les Indésirables, j'attaque la guerre d'Algérie, proprement dite. Alors pourquoi ce titre, Les Indésirables ? Ah ben, il parle de lui-même, nous étions tous des indésirables dans cette aventure, que ce soit les Pieds Noirs, dont je suis, que ce soit les officiers qui ont participé à cette aventure, d'abord la guerre d'Algérie elle-même, et puis ensuite le reniement de l'objectif enfin, et puis même on peut dire les harkis qui ont été aussi des indésirables, et des deux côtés, si j'ose dire. Bien. Donc les indésirables signifient bien ça. Il y a tout un monde historique qui est indésirable depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale parce qu'il s'interpose par les adhérences qu'il a à son histoire, à ses liens familiaux ou populationnels d'ailleurs, ou ethniques comme diraient certains, aux objectifs politiques ou métapolitiques des dirigeants du monde à la fois industriel et politique. Je rappelle que Rockefeller qui a écrit un livre, il n'y a pas de complot d'ailleurs, tout est à ciel ouvert, je veux dire par là que l'aspect complotiste, mais Rockefeller a écrit un livre, dans les années 50 il a été publié, où il écrit très, très nettement que le gouvernement mondial sera mis en place, et les termes qu'il utilise c'est de gré ou de force. Donc on est bien devant quelque chose de pensé et de longue main. Et je crois que nous étions indésirables, l'armée française d'Algérie, qui n'est plus du tout l'armée française actuelle,
Souvent, il y a des malentendus chez certaines personnes qui pourtant professent des idées politiques nationales, dirons-nous, quand ils parlent de l'armée actuelle. Non, l'uniforme ne fait pas le soldat. Il est évident que, si je prends l'actualité récente, un général Salan ou un Roger de Gueldre ne se serait pas comporté comme le général Picmal après son arrestation hier. Il n'aurait pas dit que s'il avait su, il ne serait pas venu. Ils étaient là, ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire et ils n'en regrettaient rien, comme disait le colonel Maslow. Comme disait la chanson. Voilà. Donc les indésirables s'expliquent parfaitement. Alors évidemment, c'est un clin d'œil aux misérables. Mmh. Bon, ça va de soi. Alors, c'est tout ce que je peux répondre sur les indésirables. Oui. Et alors, ce roman, que nous raconte-t-il ? Quelle est son intrigue ? Oui. Car vous engerbez donc une période assez longue, puisqu'on va du début des années 60, c'est 40 ans pratiquement, deux générations. Oui, surtout que… Quel est le fil conducteur de l'histoire ? Ah ben, le fil conducteur, ou plutôt le déclenchement de l'histoire se passe à New York en 2000, là, au printemps, lorsqu'une vieille dame, qui est là depuis longtemps maintenant, depuis 1963, qui est originaire effectivement d'Alger, qui a eu un enfant, l'histoire raconte les circonstances de cette naissance, et qui s'est installée à New York parce qu'elle n'a plus voulu garder un pied en Europe. Adieu vieille Europe, que le diable t'emporte. N'a jamais raconté sa vie, ni à son fils, qui est évidemment élevé, est américain d'ailleurs, ni à sa belle-fille, à sa belle-famille, qui eux sont effectivement vraiment américains. Mais ça, elle n'est pas une exception. Nos parents n'ont pas beaucoup raconté et parlé de cette histoire dramatique que fut la guerre d'Algérie. Et s'il y a eu des écrits, car il y en a eu beaucoup, les gens disent qu'il y a eu d'écrits sur la guerre d'Algérie, c'est pas vrai, c'est colossal ce qu'il y a eu d'écrits. Oui, il y a une production éditoriale. On ne peut pas dire que ceux qui l'ont vécu ont raconté à leurs enfants la chose. Et donc elle ne fait pas exception, d'autant plus qu'elle est en plus dans un monde qui n'est plus francophone, qui n'est plus français, elle est dans un monde américain, bien sûr, new-yorkais en plus, qui est particulier dans le monde américain, et elle a eu d'autres chats à fouetter, ne serait-ce que survivre, vivre, travailler et élever son fils. Et un jour, lors d'une réunion familiale, l'époque du Kosovo et de la Serbie venant de se terminer, de se clore, en 2001, c'était la fin de l'affaire du Kosovo. Sa belle famille étant des démocrates du Connecticut, alors pour ceux qui connaissent un peu l'Amérique, le Connecticut est déjà un État assez politiquement correct, mais alors si en plus on est démocrate dans le Connecticut, alors là, on atteint le sommet de ce qui est possible d'imaginer. Et bien sûr, parle de ces Serbes qui sont des génocidaires, des méchants. De tout ce que nous avons connu dans les années 92 à 2000. On disait la même chose en France. Jusqu'à 2000. Certes, mais là, il s'agit dans son particulier. Alors évidemment, cette affaire réagit. Elle réveille des souvenirs. Parce que le facteur musulman n'est pas absent de l'affaire. Surtout en Bosnie et surtout au Kosovo. Donc, elle réagit en disant à sa belle-fille, mais comme ça, en aparté, en passant à côté d'elle pour aller chercher un ustensile quelconque pour servir à table, enfin, que sais-je. Enfin, c'est des cris. Elle lui dit, en gros, le mal, quelquefois, ressemble au bien, le bien au mal, et il faut être prudent dans ce que l'on pense. Enfin, c'est mieux dit que ça, sûrement, parce que je ne me rappelle plus des termes exacts, mais elle lui dit ça. Et au lieu… Alors c'est énigmatique pour Sharon, qui est sa belle-fille, mais ça pique sa curiosité. Et elle suit sa belle-mère et elle lui pose des questions, elle lui demande pourquoi elle veut expliquer ça. Alors l'autre lui explique que si elle doit lui raconter le pourquoi du comment de cette phrase, il faut un long discours et de longs moments ensemble, parce qu'on ne peut pas, en deux minutes, une phrase comme celle-là est une synthèse d'émotions et d'expériences historiques et de souffrances. Et le pourquoi du comment, il faut partir du commencement et arriver à la fin. Et sa belle-fille accepte.
Elle lui dit, ben oui. Donc, elles établissent entre elles ce qu'elles ont appelé les jeudis de Greenwich Village, parce que c'est là qu'elle habite. Et, enfin, là, sa mère habite là. Et donc, Anne-France Pérez, puisque c'est son nom, l'héroïne principale, commence à lui raconter sa vie en Algérie. Alors, depuis les années, depuis sa naissance, enfin, en tout cas, ses souvenirs les premiers, jusqu'à surtout la fin et la guerre d'Algérie. Et d'autant plus qu'il y a un mystère, c'est qui est le père de, du fils. Et le père du fils est un officier qu'elle a rencontré dans des circonstances de la fin de la guerre d'Algérie, dont elle a eu un enfant, dans leur période de cavale, et cet enfant est né en Espagne, et puis elle lui a dit que son père était un officier, mais fait sans rentrer dans le détail ni de sa vie, ni de sa mort. Donc, elle raconte sa vie. Mais parallèlement, il y a une vie à New York, familiale, et il y a surtout l'histoire qui continue. Et l'histoire qui continue, c'est simplement la préparation des attentats du 11 septembre. Alors, dans le roman, il y a, en tout cas dans le livre, disons, plus que dans le roman, ils sont mis à part sur le plan typographique de manière à ce qu'on sache bien que lorsqu'on on aborde ces étapes de la préparation de l'attentat, on n'est plus dans le roman, on est dans l'histoire réelle, avec d'ailleurs la référence faite aux dépêches, lorsqu'il y a des dépêches, etc. Et on voit bien que parallèlement à ces souvenirs, à ces mémoires racontées par le menu, car là, elle rentre dans sa vie non seulement donc d'être historique, mais dans sa vie d'être tout court, et dans sa vie de femme. Avec, parce que Anne-France a été une des mutilées des attentats d'Alger. Elle participait, enfin si j'ose dire, au bal ou à l'après-midi de l'attentat de Saint-Eugène, du casino de Saint-Eugène, lorsqu'il a sauté, et donc elle a été victime et amputée. Donc sa vie en Algérie et de femme a souffert de cette amputation, parce que bien entendu, sa personne perdait une partie de sa superbe. Bien sûr. Et surtout elle, à cet âge-là, quand même, elle était quand même quelqu'un qui avait une trentaine d'années, enfin à peine. Mais en même temps, il a fallu surmonter ça, à la fois au niveau de sa vie, et sa vie féminine, c'est sa vie à tous les points de vue, c'est-à-dire sa vie sentimentale, sa vie professionnelle, bien sûr, puisqu'elle était journaliste à l'Écho d'Alger, et qu'il a fallu continuer avec une jambe, avec une prothèse, disons, et sa vie de femme, sexuelle même, hein, qui suis-je? Et donc, tout ça fait partie de cette évocation précise. Pourquoi? Parce que sa belle-fille, finalement, comprend bien ces problèmes-là, elle-même a quelques difficultés psychologiques à surmonter. Donc, et à côté, vous avez les attentats qui ont lieu. Et le fils a un œil sur tout ça qui est énigmatique, mais en même temps, à la fin, il apprend qui est son père et l'attentat a lieu. Voilà, je ne veux pas en dire plus, parce que sinon, je raconte aussi le détail du roman. Laissez aux téléspectateurs de lire le livre. Voilà, et alors, je crois que vous apportez une lecture assez intéressante, assez originale, des attentats du 11 septembre. J'espère. Préparatif, et quant au commandant des attentats. Oui, on peut dire, on a beaucoup parlé de complot, etc. Vous savez, c'est pas... Et il y a effectivement certaines zones d'ombre Le fameux immeuble 2000. Voilà, le troisième immeuble. Le septième, c'est le World Trade Center 7. Oui, voilà, qui s'effondre. Qui s'effondre, mais il a reçu sur le... Alors, je donne les détails quand même de l'attentat au sens matériel. Oui, bien sûr. Qui sont donnés par les pompiers. On est quand même à 300 000 tonnes de matériaux qui tombent sur ces immeubles, y compris sur le 7. Oui, voilà. Il y a une température colossale, la braise sous les décombres a continué à brûler pendant 2 mois, je crois, quand même. Ah oui. Enfin bref, on est devant quelque chose. Un cataclysme. Jamais. D'ailleurs, j'ai mis une couverture qui m'a ému. D'abord parce que c'est là que finit le roman. C'est bien l'endroit où il finit. Et deuxièmement, qui montre cette petite église Saint-Nicolas Church, qui était une église grecque orthodoxe.
Là, elle fait plus grande parce qu'elle est prise en contre-plongée, mais en réalité, elle est… – Elle est toute petite. – Ah, mon oui. Dieu, elle était, elle n'existe plus. Hein. Oui. Elle était toute petite, et alors, avec les deux tours derrière, mais même les autres immeubles, hein, bien sûr, parce que c'est bon, c'est le charme de New York, hein, c'est ces églises innombrables, innombrables à New York. – Avec leur petit cimetière, souvent. – Oui, comme, ça, comme Trinity Church, oui, par exemple, oui. Qui est très émouvant, parce qu'il y a des tombes. Hein, et, ben ça, c'est le côté… C'est le côté émouvant et attachant des anglophones, américains mais anglais aussi, c'est leur respect du passé. Ça c'est clair qu'on n'en a pas le même respect du passé. Ils gardent leur tombe des années 1500 et quelques cents et elles sont entretenues. Tombe hollandaise. Et, alors il y a les Hollandais, oui, oui. Et il y a même les notables anglais, donc après la conquête par l'Angleterre, qui deviennent des responsables américains. Mm-hmm. Et la famille, enfin c'est très intéressant, mais ça c'est secondaire. Et cette église a, bien sûr, reçu tout le poids. – Et donc elle a été détruite à cette occasion. – Alors, il y a eu tout un combat actuellement pour que les Grecs orthodoxes veulent la refaire. Mm-hmm. Enfin bref, c'est une autre histoire. Oui, l'attentat, il y a eu un vrai attentat. De toute façon, les deux avions de ligne sont bien rentrés avec leurs passagers. Oui, ça, c'est difficile dans les îles. Ça paraît tout à fait. D'abord, parce qu'il y a les listes des passagers et des victimes. Bon, c'est une première chose. Et donc, ces deux attentats-là, enfin, les deux avions sont bien rentrés dans le. Bon. On a retrouvé autour, dans des immeubles abîmés, mais qui n'ont pas été détruits, un moteur de l'un d'entre eux. Quand même. Bon, alors donc, il n'y a pas d'erreur. Absolument. Que l'attentat ait eu lieu, ça, je crois qu'on peut. Il y a des gens qui contestent. Ah oui, mais ça va très loin. Ça va très loin. C'est pas très sérieux. C'est les mêmes qui croient qu'on n'a jamais marché sur la Lune ou que Kennedy vit sur une île. Donc, par contre, ce qui est sûr, c'est que Ben Laden l'a organisé. Oui, de toute façon, les services secrets français ont donné dès 2000, j'en parle là, l'information sur les réunions en Afghanistan à l'époque, avec déjà les protagonistes comme Mohamed Atta, entre autres, enfin l'un des protagonistes, et sur le fait qu'une décision avait été prise d'utiliser des avions commerciaux pour faire un attentat. Bon. Seulement, à l'époque, c'était un avion allemand, enfin ils ont c'est ce qui avait été tenté avec le détournement de l'avion d'Air Algérie, qui avait impliqué l'intervention du GIGN à Marseille. Apparemment, je crois avoir entendu que l'objectif c'était de se cracher sur Paris. C'est possible. Tour Eiffel. Voilà. Oui. Donc là, on est sûr que Ben Laden et son équipe a participé, en tout cas, a donné l'ordre, a donné l'accord, bien, et l'argent. Mais ce qui est sûr, parce que les familles de victimes ont voulu en savoir plus, c'est que il y a eu un État qui a organisé entièrement. Enfin, on peut rentrer dans les détails, mais entièrement, l'attentat, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a utilisé les fonds de son ambassadeur, Bin Sultan, qui après a été responsable des services secrets saoudiens jusqu'à il y a peu, il y a quelques mois, ou peut-être un an maintenant. On sait qu'il a dépensé 130 000 dollars qui sont allés sur des comptes de deux des terroristes qui, eux, ont utilisé l'avion contre la... Contre le Pentagone. Contre le Pentagone. On sait que ce sont des agents saoudiens et le consulat de Los Angeles, enfin de San Diego, pardon, qui ont accueilli deux de ces terroristes et leur ont fourni les licences pour conduire, enfin les licences, le permis de conduire et toutes sortes de nécessités matérielles pour survivre. On sait que c'est un imam qui ensuite a été tué par un drone américain au Yémen, un imam mais d'origine américaine, qui était citoyen américain, Awalki, qui les a traités dans son centre culturel islamique à San Diego, puis a été nommé par l'ambassade à Falls Church. Falls Church, c'est à côté de Washington, donc c'est tout près du Pentagone, pour les recevoir au Marriott, et qu'ils ont trouvé à cet imam un poste, là encore, dans un centre culturel et religieux saoudien.
dont on a le don, que, enfin bref, que les Mohamed Atta en particulier a été reçu en Floride dans la villa, dans un centre sécurisé comme il en existe aux États-Unis, de Saoudiens, avec les caméras d'entrée qui l'ont filmé, avec les cartes de crédit qui ont… enfin bref. – Mais alors, question ingénue, pourquoi l'Arabie Saoudite est a priori l'ami des États-Unis – Mais qui a parlé d'ami? La question du mot ami chez un musulman, et en plus quand on parle d'Arabie Saoudite chez des Wahhabites, est un mot qui n'a aucun sens. Des alliés, oui, alliés et à certains. Bon, l'Arabie Saoudite était quand même… actionnaire à 20 ou 30% de la Citibank à cette époque-là. Je ne sais pas où ils en sont maintenant, bon, peu importe. Ils partageaient des conseils d'administration avec les Texans de l'Aramco. Et la famille Bush était très liée à la famille Bush. Bien sûr, c'est-à-dire que la famille Bush était quand même sous la chape des Texans. – Des pétroliers Texans. – Des pétroliers Texans. – Donc, la famille Clinton sous la coupe des fonds de pension new-yorkais. – Je vais répondre à la question « Quel intérêt ?» par une autre question sur l'Arabie Saoudite en ce moment. Quel intérêt de l'Arabie Saoudite à l'Arabie Saoudite à détruire les cours du pétrole et à détruire son propre budget en même temps? Parce que c'est un fait. Bon, c'est pas… Il y avait deux hypothèses. Oui, oui. Il y a le gaz de schiste américain et la destruction de la puissance financière russe. Mais c'est antagoniste en plus, c'est cette idée. Donc, on reste devant quelque chose de surprenant. Certains pensent qu'il a fallu. Ils ont voulu terroriser les États-Unis pour empêcher. Je ne sais quoi, est-ce qu'ils avaient peur d'un retrait de l'alliance ou d'un non-renouvellement de l'alliance? Parce que je rappelle que l'alliance, c'est-à-dire le pacte qui a été signé sur le fameux croiseur Quincy, me semble-t-il. Février 1945. A été renouvelé par George Bush, le fils, il y a, avant qu'il finisse son mandat. Donc, était-il dans la balance, ce pacte? On n'en sait rien. Bon. Donc, en fait, le fait est que. Ils ont reçu les terroristes, ils les ont financés, ils les ont logés, et ils les ont protégés, et que lorsque l'attentat a eu lieu, l'ambassadeur des États-Unis, et c'est là que la collusion avec la Maison-Blanche, bien sûr, mais le clan des pétroliers est une évidence, a été au balcon de la Maison-Blanche, le balcon Truman, me dit-on, en train de fumer le cigare et en demandant l'exfiltration d'un grand nombre de personnels de l'ambassade par les services américains, ce qui a été fait le lendemain. On était le 12 septembre. Oui, c'est-à-dire l'exfiltration de personnel de l'ambassade saoudienne. De l'ambassade saoudienne. À Washington, d'accord. Donc, il n'y a aucune équivoque possible sur l'organisation logistique de la vie des terroristes. Et ça a duré quand même presque un an, puisque la première arrivée aux États-Unis de Mohamed Atta, par exemple, qui lui venait d'Allemagne, enfin bon, date de fin 2000, et que l'attentat a eu lieu en septembre 2001. Donc, et pendant ce temps-là, ils ont voyagé aux États-Unis en avion, avec tous les contrôles que ça suppose. Quitter les États-Unis pour l'Espagne, revenir, repartir, pris des cours de pilotage. Fait des bêtises qui ont été couvertes, par exemple atterrir lors de cours de pilotage avec un piper d'entraînement sur une autoroute. Ah oui, c'est quand même une grosse bêtise. Et qui a été couverte, être contrôlé sans permis en Floride et on les laisse repasser le permis rapidement. Ce qui normalement n'aurait pas dû se faire, ils auraient dû écoper de pas mal de choses et de prison peut-être même parce qu'ils sont assez durs sur ce terrain-là aux États-Unis. On voit qu'ils ont été couverts, ils ont toujours opéré sous leur nom, toujours, il n'y a pas de faux nom. Et le pire, c'est que les services français ont prévenu, mais ça très en avance, les services égyptiens ont donné le nom de certains nombres d'entre eux et le Mossad le 23 août a donné la liste de tous les terroristes opérants et du risque d'un attentat. Et qu'un secrétaire d'État américain a cessé d'utiliser les vols commerciaux à la demande de la Maison-Blanche vers le mois de juillet et en a fait
État, dans une conférence de presse, et il s'appelait Acroft, me semble-t-il, enfin le nom exact est dans le livre. Donc il n'y a aucune possibilité d'erreur sur le fait que la Maison-Blanche, tout au moins, hein, et les services américains savaient qu'un attentat se préparait, savaient qui ils étaient, et comme ces gens-là ne se cachaient pas au niveau de leur nom, on pouvait les arrêter, et que ceci n'a pas été fait. Point. Eh bien, c'est tout, l'affaire est là. Voilà une lecture donc, de ces événements de septembre 2001, tout à fait originale et percutante, et vous retrouverez tout ce contexte historique donc, dans ce cycle romanesque Les Indésirables, avec un premier volume intitulé Sous les cendres du paradis, aux éditions Académier Éditions. Merci. Merci Georges Clément. Georges Clément, d'être venu nous éclairer sur ces événements. Et chers amis, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.